Se décider. Enfin. Comme un plongeur, je me jette à l'eau. Quitter la surface mètre après mètre. Se laisser couler le long de la corde tendue dans le puits de ma mémoire. À travers une eau de plus en plus sombre. Nous y sommes. Pareil à amorcer la remontée du temps, palier après palier, tous les sens en alerte pour que le passé se prenne à revivre, qu'il ressuscite. Le démon de la chasse sous-marine s'empare des marins de la Méditerranée, au point que les amiraux eux-mêmes s'en inquiètent. De curieux engins apparaissent, harpons, fusils. Pour améliorer leur performance, les chasseurs cherchent à mieux voir. Respirer plus longtemps sous l'eau, lutter contre le froid. Ils découpent des masques dans de vieilles chambres à air, ils fabriquent des tubas, ils testent des ceintures de plomb, ils chaussent les palmes que vient d'inventer le lieutenant de vaisseau Louis de Corlieu. Les voilà transformés en hommes-poissons, ou presque. Été 1938, quelque part dans l'archipel des Ambiers. À ce moment-là, ça grouillait de poissons. Il y avait un jeune homme qui était sur les rochers, à une vingtaine de mètres de cette falaise où moi j'étais là en train de chasser, et je sentis peser sur moi le poids d'un regard. Et j'ai levé la tête tout de suite, je me suis dit, ça c'est Frédéric Dumas. Les deux hommes traquent le poisson ensemble. Un jour, Cousteau, rencontré à Toulon l'année précédente à bord du Condorcet, les rejoint. J'étais en train de terminer mon café quand j'ai vu un grand jeune homme en sang civil qui se dirigeait vers moi et qui s'est mis au garde à vous. Mais respect, capitaine. C'était Jacques-Yves Cousteau. C'est lui. Quelle joie. C'est ainsi que se forme en deux temps l'équipe des mousquetaires de la mer, les mousquemères. En fraternité de pensée avec Didi, les deux compagnons se retrouvent aux Ambiers sur leur premier terrain de chasse, 60 ans plus tard. Quand on se retrouvait tous les trois autour d'un feu, ou sur une plage, ou sur un bateau, ben évidemment, ça faisait des étincelles. Dumas et Philippe étaient très différents. Dumas, c'était vraiment le garçon de Sanary, qui avait une passion pour l'eau. Sur film, c'était lui le plus beau, le plus fluide. C'était pas le plus puissant. Par contre, nous avions l'athlète, qui était Philippe Taillez, un athlète exceptionnel, puisque c'était un athlète poète. Philippe ne regardait pas les choses comme nous. Il regardait à travers les objets. Il voyait autre chose à travers la signification de tel animal dans son environnement. C'était pas seulement le comportement de cet animal n'était pas une science du comportement. C'était une science cosmologique. Il avait sa place dans l'univers, ce poisson. Et ça, il le voyait tout de suite. C'est ça qui nous a unis, je crois. C'était une merde. C'est indescriptible, personne ne peut comprendre. Les gens peuvent dire, ah, vous avez été les premiers, mais ils ne sont pas compte. Cette espèce de folie qui nous prenait de faire des choses impossibles. Oui. C'était impossible, non, on allait le faire. Et on y arrivait. Oui.
Dispersée par la guerre, l'équipe reprend ses projets sous l'occupation. Bricoleur né, Léon Vache fabrique une boîte étanche pour une vieille caméra. Les Mousquemères tournent en apnée un film sur la chasse sous-marine. Alors, parlez-moi un peu de le film. C'est toi qui as écrit le texte. Voilà. Alors, tu permets ? Oui. Côte déchiquetée, falaise de Provence brûlée par le soleil que baigne l'eau pure, dans ce cadre de vos sports est née la chasse sous-marine. Des hommes bronzés, munis de panoplies étranges, longe dans la mer transparente et capture parfois des poissons de forte taille. Tu vois, je me rappelle mot pour mot de ce que tu as écrit. Le film est acclamé au Gala de l'Aventure à Paris. Pourtant, les premiers cinéastes sous-marins ne sont pas satisfaits. Ils cherchent toujours le moyen d'améliorer leur évolution, leur sécurité. Bien sûr, ils connaissent le scaphandre du commandant Yves Le Prieur, utilisé par la marine. C'est pas évident d'arriver à maîtriser le débit. Parce que dès qu'on change d'immersion, il faut modifier l'arrivée d'air. En fait, il faudrait un appareil respiratoire qui fournisse de l'air à la demande et à la pression ambiante. Augmenter l'autonomie du plongeur en faisant une économie d'air, l'idéal. Chose curieuse, ce détendeur qu'emploie le capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers existe déjà. Inventé au siècle dernier par un ingénieur des mines et un officier de marine, Rouquayrol et Denayrouze. Plus curieux encore, il faut une guerre pour que ce détendeur soit réinventé, à la faveur d'une rencontre entre Cousteau et un ingénieur de l'air liquide. L'histoire de l'invention technique dans tous ces domaines, et celui-là, entre autres, quand on croit être le seul à avoir trouvé quelque chose, il y a des tas de gens qui ont cette idée-là. Génial! Émile Gagnant miniaturise le détendeur à gaz de ville qui équipe les véhicules sous l'occupation. Il place le régulateur de pression, ce camembert comme il l'appelle, entre les bouteilles d'air à haute pression et les tuyaux annelés de l'embout buccal. Après quelques essais, tout marche bien. Et voilà les Mousquemères libres sous l'eau. Leur rêve se réalise enfin, nager comme les poissons. Le film « Épave » est tourné en 1943. Ce thème les obsède depuis qu'ils ont vécu l'année précédente à Toulon le sabordage de la flotte. Souvent, l'eau profonde attire les trois hommes. Ils imaginent le danger à s'éloigner de plus en plus de la surface. En revanche, ils ignorent tout de cette ivresse des profondeurs qui s'installe progressivement à force de descendre. Frédéric Dumas l'éprouve, à 62 mètres. Dans son journal, il écrit « J'ai une sensation bizarre de béatitude et d'angoisse. Très vite, je me sens ivre, mes oreilles bourdonnent. J'ai un mauvais goût dans la bouche, comme si elle était pleine de pièces de bronze. J'ai complètement oublié ceux de la barque. » Cette plongée record et le succès des premiers films sous-marins marquent une date. Ils mettent en évidence l'efficacité d'un nouvel outil de pénétration sous-marine. Quant aux services qu'il pourrait rendre, la marine française s'y intéresse. Elle charge les Mousquemères d'animer une commission d'études promue en 1945, groupe de recherche sous-marine. Dans l'exploration des océans, la France et sa marine peut et doit avoir une large part. Je m'occupais surtout de la marche de l'ensemble de la boutique. J'étais en quelque sorte le chef de cabinet de la boutique du commandant Taïez, quoi. Les premières activités, c'était déjà de pouvoir s'installer. C'était de trouver un coin dans l'arsenal pour pouvoir au moins s'étendre, avoir nos activités. D'autre part, dans l'arsenal, il n'y avait qu'à se servir de ce qui restait, de ce qui n'avait pas été pillé. Et tant bien que mal, nous avons réussi à récupérer une vedette que nous avons aménagée pour la plongée et qui nous a permis quand même de faire toutes nos sorties en mer. Tout au début, on mettait au point les appareils et puis on a fait en sorte de les faire adopter par la marine.
Renforcée de volontaires, l'équipe se met au travail. Déminage, essais de toutes sortes, formation et même spéléologie. La tâche est immense, pleine de risques. La puissance de pénétration verticale du scaphandre autonome est incontestable. Mais la noyade par narcose de Maurice Fargue en marque les limites. Lors d'un essai collectif sur la plaquette à 120 mètres, il écrit « Il fait sombre et froid, 14 degrés, mais good quand même. Au-dessous, les mots deviennent illisibles. » Il incombe aux pionniers de mettre en garde les néophytes, de leur donner les notions essentielles de la technique, de la physiologie, de la sécurité de la plongée. Et même si la mise au point de mélanges respiratoires permet à la plongée humaine de gagner encore quelques dizaines de mètres, de nouvelles limites apparaissent. Les engins habités et autonomes débutent l'histoire moderne de la conquête des grands fonds. Tout va très vite. La marine affecte au Gers un bâtiment, l'Hélimonier, et voilà que ce bateau est chargé d'assurer l'assistance d'une plongée record à 4000 mètres avec le bathyscaphe FNRS-2, étrange navire des profondeurs conçu par Auguste Piccard et Max Cosins, les inventeurs du ballon stratosphérique. Le principe du bathyscaphe, c'est le principe du ballon, c'est-à-dire c'est une nacelle dans laquelle se trouvent les passagers, qui est très résistante aux pressions de la mer, puisqu'on peut descendre à de grandes profondeurs, qui est soutenue par une énorme bulle qui contient de l'essence. Une essence très légère, par conséquent plus légère que l'eau. Sur la route de l'Afrique, où aura lieu à Dakar la plongée du bathyscaphe, les hommes du Gers se mettent à l'eau plusieurs fois. Autant de premières pour le scaphandre autonome. À Madia, en Tunisie, c'est la redécouverte par 40 mètres de fond d'une épave antique. Au Cap-Vert, l'observation de la flore et de la faune. L'Hélimonier et le Scaldis qui transportent le FNRS-2 rallient Dakar. Tout est à pied d'œuvre pour la première plongée. Lorsque Auguste Piccard et Théodore Monod effectuent le premier essai, à 10 mètres, tout se passe à peu près bien. Puis, à l'issue d'une sorte de conseil de guerre, il est décidé de renoncer à une plongée profonde avec passagers. Lesté par de la grenaille de fonte, le bathyscaphe s'enfonce. Cette grenaille libérée, l'essence du flotteur, doit faire remonter l'engin à la surface. Sombre retour à la réalité. L'engin est vide et l'on se demande bien s'il remontera. Soudain, des hurrahs s'élèvent dans le ciel. Le dôme orange du FNRS-2 vient d'apparaître. Quand cette plongée à vide a eu lieu, ça a été quand même un moment très émouvant. Parce qu'on savait que la boule remontait après avoir été à 1380 mètres. Le principe du bathyscaphe était sain en lui-même, mais ce qui n'était pas très sain, c'était de marier le bathyscaphe FNRS-2 avec son escorteur. Le bathyscaphe FNRS-2 s'est un peu frotté les côtes de trop près sur le Scaldis, ce qui lui a valu de se démanteler progressivement, et sans les interventions d'ailleurs des mousquemères, et notamment du commandant Daïez et de M. Dumas, il est possible qu'il ne serait pas revenu de cette entreprise. Ainsi, la sphère qui abrite les passagers peut être ramenée à Toulon et réutilisée. En 1950, une convention entre la marine française et le Fonds national de la recherche scientifique belge établit la construction d'un nouveau bathyscaphe à l'arsenal de Toulon. L'aventure du FNRS-3 commence. Pas pour Philippe Taïez, chargé de créer en Indochine la section d'intervention sous-marine de Saigon. À son retour, il reprend la tête de ce qui est devenu le groupe d'études et de recherche sous-marine. En 1953, la plus grande partie des moyens sont concentrés sur le FNRS-3. Houot en est le commandant, les ingénieurs Gimp puis Wilm dirigent sa construction. Vous pensez qu'en tant que jeune ingénieur, moi ça me passionnait. Et j'ai eu de la chance parce que ça a très bien marché. Et on peut dire depuis le début jusqu'à la fin, l'aventure du premier bathyscaphe français s'est déroulée sans heurts. Extraordinaire exploit, le 15 février 1954 au large de Dakar. Branchez le courant et le convertisseur. Je vais enlever les étriers.
D'accord. Allô, Élie Monnier, ici Batiscaf. Nous sommes prêts à plonger. Prévenez-nous dès que le personnel aura évacué. Attention, Batiscaf. Votre pont disparaît. Il y a des quantités de crevettes. Mètres. Personne avant nous n'est jamais allé aussi bas. Ça y est, ils sont à 4000 mètres. Va nous mettre du champagne au frais. On dirait des traces de pas. Si vous voyez l'abominable homme des neiges, vous me le direz. Tiens, nous avons déclenché une petite avalanche. Cet exploit est le prélude à une centaine de plongées profondes, la plupart au service de l'océanographie française. Elles deviennent l'enjeu d'une rude compétition. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Cette date est facile à retenir, hein, 15 février 1954. Et je pense qu'il faut la rappeler, parce que vraiment nous étions les premiers à toucher le fond de la mer à 4050 mètres. Et là, le Trieste n'a pas été plus profond que ces 3000 mètres de Méditerranée jusqu'à ce que les Américains l'aient racheté. Et les fait plonger à 10 900 mètres, dans la fosse la plus profonde du monde. Donc il n'est pas question d'aller plus profond maintenant. C'est enfin à l'Archimède, successeur du FNRS 3, d'ouvrir une ère nouvelle à l'exploration scientifique des profondeurs. Toutes les campagnes du Batiscaf Archimède étaient financées par le CNRS, dont j'étais chef du laboratoire, la marine assurant la partie opérationnelle et logistique. L'émotion d'arriver à 9500 mètres de profondeur, de toucher le fond, de voir des animaux vivants à ces profondeurs-là, pour moi, ça reste un souvenir merveilleux. Dans le sillage des batiscafs se sont enfoncés toutes sortes d'engins civils et militaires, habités ou non. Pas un nostalgique de la plongée et de la bulle à tout prix. Ceci dit, pas plus que la plongée n'empêche la robotique de se développer, pas plus la robotique ne doit chercher à éliminer la plongée. Chaque fois qu'on peut faire une tâche simple et répétitive, il faut la faire en robotique. Chaque fois qu'elle est compliquée et dans laquelle la dextérité et le pouvoir de décision priment la robotique, elle doit être faite par un homme. Nous avons atteint les 300-400 mètres de travail courant à l'hélium. J'ai eu l'honneur d'être le premier à respirer de l'hydrogène, en 84, qui a été la première plongée humaine. Et depuis, nous avons plongé en mer à l'hydrogène à 500 et quelques mètres, et nous avons fait 700 mètres en caisson. Ils ont une bonne alliance entre la robotique, le sous-marin, qui est un genre de robot. Bon, non seulement il a son manipulateur, mais il y a une vision 3D qui est très très importante. Et la plongée, qui n'est pas morte, heureusement. Certes, aujourd'hui, elle plafonne. Hein. Ceci dit, donnons un second souffle à la plongée. Et alliant la robotique et la plongée, tout le monde y retrouvera son compte. Ce scaphandre articulé, donc, que j'appelle sous-marin monoplace anthropomorphe, est une des perspectives d'avenir pour l'intervention profonde. Mais pour la grande perspective, c'est toujours l'emploi des plongeurs dans la marine. Car il reste toujours les plongeurs de bord, les plongeurs des mineurs, les nageurs de combat, et tout cela fait partie d'un système complet. 1960, le commandant Taïez quitte la marine. J'ai fait les démarches nécessaires auprès du ministère de la marine, ça a été ma dernière action, et c'était pas simple, de persuader l'état-major général qu'il fallait centraliser les écoles de plongée de la marine. Le jeune retraité s'interroge toujours sur son proche avenir, mais n'est-il pas déjà tracé? Avec enthousiasme, il vient de vivre le relevage de l'épave antique du Titan dans les îles d'Hier, une fouille pilote de l'archéologie sous-marine moderne avec celle du Slava Rossi, naufragé en 1780. L'épave se situe à 42 mètres, Philippe Taïez à 75 ans.
ça s'est passé au mois de novembre, de nuit. La Stavarovski, qui faisait partie d'un groupe de bâtiments envoyé par la Grande Catherine en Méditerranée, avait été pris dans un coup de vent d'est, et le bateau a probablement été poussé par le vent jusque sur cette pointe qui est en face. Et on retrouve à l'aplomb de cette pointe, par 13 à 15 mètres, les premiers vestiges du bateau. Technique nouvelle, rigueur, désintéressement au service de la découverte et de la sauvegarde du patrimoine humain des civilisations. Le groupe de recherche en archéologie navale est créé. Philippe Taillez en assure la première présidence. Max Guéroux prend la relève. Philippe Taillez apporte son expérience à la plongée de loisirs, qui connaît un engouement extraordinaire. Cette cheminée, c'est une grotte qui part donc environ de 16 mètres, 16 à 17 mètres, et qui descend jusqu'à 24 mètres de l'autre côté du tombant. Alors avant, on pouvait traverser, maintenant on ne peut plus, ça s'est ensablé. Regardez bien, à l'intérieur, il y a une belle mostelle. Membre fondateur en 1955 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, puis de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, il préside leur comité technique. En ouvrant l'espace marin à l'espèce humaine, Philippe Taillez mesure sa responsabilité. À mots comptés qu'il préfère lire fidèlement pour les avoir mûrement assemblés, il exprime son engagement. Au cours de mes plongées fréquentes sur le littoral de Provence, je me trouvais aux premières loges, témoin irrité, angoissé plus que d'autres, pour mesurer la disparition, la dégradation croissante, accélérée, de la faune et de la flore. J'étais résolu à me battre avec beaucoup d'autres au sein d'organismes scientifiques pour la sauvegarde de la mer. Membre fondateur en 1964 du comité scientifique du Parc national de Porquerolles, Philippe Taillez participe à de nombreuses campagnes. Une légion d'océanographes et de plongeurs démineurs de la marine réalise les premiers inventaires des fonds marins, en particulier le suivi des prairies de Posidonie et des champs de nacre. La grande nacre de Méditerranée a disparu progressivement du littoral provençal à cause des aménagements aberrants, à cause du bétonnage du littoral dans des secteurs protégés. Il y a encore des lieux de reproduction, et de manière générale autour des îles. Ces inventaires datent à présent de 30 ans. Donc, tout a considérablement évolué. Et il serait très intéressant de repartir à nouveau pour une nouvelle aventure. Puis aux Zambiers, avec Paul Ricard et Alain Bombard, Philippe Taillez prend part à la création de l'Institut océanographique Paul Ricard en 1966. Les scientifiques se préoccupent de la qualité de l'environnement littoral. Ils ont mis au point un produit de lutte contre les marées noires. Ils agissent en faveur d'espèces menacées. Ils forment, informent. Pour Philippe Taillez, susciter le juste comportement à l'égard de la nature, c'est être et rendre responsable aujourd'hui et demain dans l'esprit mousquemère. Ainsi s'achève la lente remontée du temps. Le messager de ma mémoire va surgir. Le clapot me gêne pour fixer son regard, saisir les précieuses plaques, jalons du temps écoulé. Qu'importe, je suis libre, libéré. À 90 ans, Philippe Taillez reste solidaire de tout ce qui habite la mer. Dans les années de guerre, il avait contribué à apporter à une marine désespérée d'avoir perdu ses beaux navires la promesse d'avenir, d'accéder au fond des mers. Il se penche aujourd'hui sur le proche devenir de notre espèce. Son projet Archipelago porte une nouvelle façon de penser la condition humaine. Pour les générations à venir, avec énergie et courage, pour un espace de quiétude et de réflexion recouvré, la mer. Je suis de ceux qui essaient leur vie durant. J'ai tenu les rênes à ma manière
de mener de front les chevaux du rêve et de l'action.